Y se cae de mamá.
Une jeunesse remplie de feu. Alors, ils étaient en retraite depuis vendredi jusqu'à hier soir. Et on a voulu, en tout cas, laisser l'opportunité, dans cette opportunité, pouvoir aussi nous emmener dans la présence de Dieu et aussi nous communiquer la pensée de Dieu. Alors, bien avant de rentrer dans le message, j'aimerais qu'on puisse encourager le responsable de la jeunesse, le frère Sylvain, que j'aimerais appeler ici. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, je suis dans la joie de me retrouver devant vous. Et surtout plus dans la joie parce qu'on a eu un bon temps avec la jeunesse. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils ont manqué. On a passé un bon temps de prière, de rêve. Et c'était très bien, merveilleux. Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a touché, Dieu nous a changé. Et je remercie ce matin le pasteur pour la faveur qu'il m'accorde pour me tenir devant vous. Vous pouvez déjà jamais fait comme ça dimanche et je bénis aussi Dieu pour votre audience et pour tous les responsables, les généraux, les toujours. Et que c'est Papa Jackie et tout le monde, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors je ne vais pas tarder. Ce matin, je vais parler d'un thème que j'ai intitulé Le secret des dieux. Le secret des dieux. Et je vais nous donner quelques textes. Bon, j'ai deux textes principaux. Le premier texte, c'est Psaume au chapitre 11, verset 1er. Et le second, c'est Ésaïe au chapitre 6,
verset 1er. Donc aujourd'hui, je ne parle que des versets premiers. Psaume 91, verset 1er. Isaïe 6, verset 1er. Isaïe chapitre 6, verset 1er. Alors je vais lire ce texte. Psaume 91 dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Voilà, c'est ce que le psaume 81, verset 1er dit. Et Esaïe au chapitre 6. Esaïe 6 au chapitre 1er dit ceci. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Alors j'aimerais que vous puissiez garder avec moi ces deux textes parce que vous allez comprendre à la longue, vous avez dit que l'avancée, vous comprenez pourquoi j'ai donné le texte d'Ésaïe, chapitre 6, verset 1er et 91. Alors j'aimerais définir un peu le terme secret avant qu'on avance. Alors je crois qu'on connaît tous, on a tous une idée de ce qu'un secret veut dire. Alors le dictionnaire, j'ai vu deux types de définitions. Les gens ont dit que ça provient d'un mot latin. Secretus. Secretus, on dit, c'est une information ou un savoir qui est soit caché, soit inaccessible. Voilà. C'est comme ça qu'on définit le secret. Une information, un savoir qui est soit caché, soit inaccessible. Et j'ai vu une autre définition de secret où l'on dit que le mot secret autrefois désignait un compartiment caché, c'est-à-dire un lieu caché. Accessible que par une manipulation spéciale. C'est-à-dire, vous avez des exemples de coffres forts, c'est un lieu très caché pour y accéder. Il faut manipuler un corps d'une manière précise. Alors, ce matin, j'aimerais parler de ce matin, je ne vais pas parler de la première définition d'une information ou un savoir, mais je vais parler du secret comme un compartiment caché. Amen. On est là, n'est-ce pas? Oui. Il faut qu'on soit là. Et je vous prie vraiment de pouvoir me suivre parce que je vais dire des choses qui vont choquer les uns, qui vont réjouir les autres. Et si on ne les suit pas, on va se perdre. Amen. Alors, le psaume 91, le verset 1er dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai essayé de lire un autre passage dans la Bible. Et si je veux paraphraser ce texte me dira simplement que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en Christ. Alors, je fais allusion à Christ comme ombre de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous lisez en Matthieu au chapitre 11, verset 28e, la Bible dit, c'est le Christ qui parle, il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, n'est-ce pas? Je vous donnerai du repos, n'est-ce pas? Et psaume 91 dit, celui qui demeure sous la pluie très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors vous savez, il y a une chose avec Christ, une chose avec Dieu, c'est que le Christ, quand il te dit quelque chose, sache qu'il est déjà la chose avant qu'il te donne la chose. C'est comme ça que ça marche. Quand il te dit, je te donne ma paix, sache qu'il est déjà lui-même la paix, et puis il te donne la paix. Quand il te dit, tu es la lumière du monde, sache qu'il est déjà lui-même la lumière, parce qu'il ne peut pas te dire une chose qu'il n'a pas goûté lui. Il ne peut pas te dire quelque chose qu'il n'a pas vécu. Et quand il te demande de l'être, c'est parce qu'il sait que c'est possible. C'est pourquoi je dis, quand la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose dans Christ. Et c'est Christ qui dit, le même Christ qui dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, ces deux textes sont liés au fait. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça montre pas combien la Bible ne se trompe pas. Combien la Bible s'explique par elle-même. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions lire un autre texte. Je vais vous les donner. Avant, c'est dans Hébreux chapitre 4, verset 14 jusqu'au verset 15. On va juste lire ça et puis je vais vous expliquer pourquoi je vous montre ce texte. Ce texte parle de Christ comme étant le sacrificateur qui a traversé les cieux et qui peut peiner à notre, qui peut peiner, qui peut comprendre ce que nous souffrons. Pourquoi? Parce que lui-même, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas failli. Et à cause de cela, il peut nous supporter, il peut nous soutenir, n'est-ce pas? Alors, ce texte, je le donne pour essayer de nous comprendre, nous faire comprendre au fait que le Christ, même avant d'être sacrificateur à la droite des yeux, le Christ a conservé le même sacrifice. C'est pourquoi vous voyez que l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à vous offrir vous-même
comme un sacrifice vivant, agréable et saint à Dieu. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, ne peut pas nous dire des choses que Christ n'a pas été. Alors, vous vous souvenez de Christ, il dit dans Jean chapitre 14, il dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, le consolateur, il vous parlera de moi. Il vous dira des choses avec précision sur ce que j'ai dit. Il va d'abord vous rappeler ce que je vous ai dit. Et puis, il va vous apprendre des choses que je ne peux pas vous apprendre maintenant parce que vous n'avez pas compris. Et alors, c'est comme ça dit que le Christ, pour revenir à ce que je vous ai dit plus tôt, quand le Seigneur te dit qu'il est ta réussite ou qu'il est ceci pour toi, sache qu'il est cela avant même de te donner la chose. C'est pourquoi il dit qu'il appelle la fin, n'est-ce pas, avant le début. Isaïe. C'est-à-dire, avant de te dire de commencer quelque chose, il s'est rassuré qu'il a déjà fini la chose. Et quand il revient, il t'explique en fait le chemin à prendre pour arriver. Et le problème, c'est que nous voulons raisonner avec Dieu. On ignore qu'il avait déjà fini la chose. Et il sait exactement quel chemin prendre pour arriver. N'est-ce pas? Alors, j'aimerais commencer avec ce sujet. C'était une forme d'introduction que je voulais vous donner. Alors, le secret de Dieu. J'ai dit que j'allais parler de cet aspect qu'il s'agit d'un compartiment ou un lieu caché. Et le texte de Psaume 91 m'a un peu bouleversé. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous la pluie, très grand. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, demeurer, j'avais expliqué un patin, demeurer sous la pluie du très haut. Moi, comment je vois ça? Je vois, le très haut est là. Si je demeure sous le très haut, c'est-à-dire en dessous du très haut, je vois tout ce qui fait partie du très haut, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me comprend? Je vais expliquer ça. Ésaïe chapitre 6, verset 1 dit ceci. J'ai vu le Seigneur de très haut assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe, n'est-ce pas, remplissaient le temple. Donc je donne un exemple, nous sommes les temples comme ça et le Seigneur est assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplis ici, n'est-ce pas? Alors, c'est lui qui demeure sous la vue du très haut, sous. Si je suis en dessous, c'est-à-dire je vois tout ce qui est au-dessus. Et si je suis sous la robe de Dieu, je vois tout ce qui est intime à Dieu. C'est pas ça, on ne comprend pas. Comment je peux expliquer ça? Bon, excusez-moi, je vais prendre l'exemple. Ne me traitez pas de tout. Je prends l'exemple d'une femme, une maman, qui a sa robe. Si. Bon, c'est une femme qui va choquer beaucoup de personnes. Ok, alors je vais essayer de m'expliciter encore. Le Seigneur a porté un vêtement, n'est-ce pas? Les habits cachent ce qui nous est intime, n'est-ce pas? Alors, si nous sommes dans le temple et que les pans de la gloire des yeux rentrent, si nous sommes en dessous, sous la vue tout puissant, nous voyons tout ce qui est intime de Dieu, n'est-ce pas? Sous sa robe, voilà. C'est ce que je voulais expliquer. Alors, remarquez que cette histoire-là, c'est sérieux parce que ce sont les intimités des yeux. Alors, ce n'est pas n'importe qui peut voir ça. Yes. C'est pourquoi Dieu n'est pas impudique déjà. C'est-à-dire, il n'est pas sans pudeur. Il ne va pas laisser son corps trimballer chez n'importe qui. Il ne va pas se laisser découvrir à n'importe qui. C'est pourquoi il cherche exactement les vrais adorateurs. Au fait, quand Dieu dit il recherche les vrais adorateurs, il cherche un adorateur. C'est qui? Un adorateur, c'est une personne qui monte en fait. Qui monte en esprit. Quand il entre avec eux, il monte. L'adoration des faits montée, puisque Dieu est élevé. Si tu veux bénéficier de l'ombre de Dieu, l'ombre d'une personne qui est élevée, tu ne peux pas bénéficier de l'ombre d'une chose qui est élevée si tu es en dessous. Il faudrait que tu te rapproches de la chose pour que l'ombre de la chose te couvre. Alors, si Dieu est élevé et que moi je veux bénéficier de son ombre, il faudrait que je fasse quoi? Tu dois monter vers lui, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu nous a fait, Dieu est un Dieu d'auteur et nous sommes obligés de monter. Alors, l'adorateur, c'est cette personne qui, lorsqu'il entre dans Dieu, il monte en fait. Il monte en esprit, il monte. C'est pourquoi Dieu les recherche parce que Dieu cherche des gens avec qui il va partager son intimité. Mais il ne sait pas les partager avec n'importe qui parce qu'il y a trop d'impudiques. Trop de personnes qui veulent voir le corps de Dieu sans pourtant monter. Trop de personnes qui veulent profiter sans pourtant connaître la raison pour laquelle ils s'approchent de Dieu. Et j'aimerais vous donner quelques moyens. Que faire? Voir les intimités, parce que voir les intimités de Dieu, c'est très important, parce que si on sert le Seigneur et si on s'appelle enfant des yeux, à un certain moment, à une certaine étape de notre vie, de notre service, on est obligé de connaître Dieu dans ses intimités. À une certaine étape, parce que
Dieu ne va pas te laisser trimballer à l'extérieur comme ça, sans pour autant le connaître, puisque sinon ta foi va chanceler. Ta foi va chanceler parce que notre foi a besoin d'être mise à jour à tout moment. Et pour que la foi soit mise à jour, tu dois voir des choses qui évoluent à chaque instant. Alors si tes yeux sont habitués à voir les mêmes choses à chaque instant, ta foi va rester là et risque de faillir. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu va de gloire en gloire. C'est-à-dire, nous aussi, on est obligé d'aller de fois en fois dans la gloire. Et on évolue, on bouge avec Dieu. C'est pourquoi malheureusement, moi, je suis contre les personnes qui me racontent l'expérience du passé, alors que Dieu est en train d'avancer. Tu ne parles d'hier, mais Dieu est déjà là-bas. Amen. Non, parle-moi. Dieu, c'est une personne qui fonctionne dans le présent. Il bouge au fait, comme ça, il bouge. Et si tu bouges pas avec Dieu, tu rates tout ce qu'il y a en train de prévoir, tu rates, tu restes là-bas, Marie. Alors, deux choses, deux raisons, deux choses pour faire, à faire, si nous voulons vivre l'intimité de Dieu. Je me disais d'aller la première chose, c'est être un adorateur. Et être un adorateur, c'est sérieux parce que nous pensons que l'adoration, c'est seulement chanter, ce sont les chants qu'on fait. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, ce n'est pas comment on fait avec les louanges, tout ça. L'adoration, c'est un mode de vie, c'est un style de vie. Et quand la Bible dit « le Père recherche des vrais adorateurs », c'est-à-dire qu'il recherche une personne qui, par sa parole, il peut adorer Dieu. Amen. Qui, par sa conduite, il peut adorer Dieu. Amen. Qui, par son cœur, il peut adorer Dieu. Qui, par ses pensées, il peut adorer Dieu. Alors, la question que je pose des gens d'avant, c'est que quand tu regardes tous ces aspects de ta vie, est-ce que tous ces aspects adorent Dieu? Parce que quand Dieu recherche un vrai adorateur, c'est ça. Tu ne peux pas venir adorer Dieu des lèvres comme ces sacrificateurs dont le Seigneur parle et dit « Ce peuple m'honore des lèvres récemment, mais leur cœur est loin de moi. » Un adorateur, c'est cette personne qui, lorsqu'il parle, sa parole, c'est une adoration. Il apporte la vie, il apporte la solution, il plaît même au cœur du Seigneur. Sa conduite, comment il vit. Je ne peux pas me conduire bizarrement et puis venir donner à Dieu une adoration. Ça, c'est ce que j'appelle justement l'impudicité spirituelle. Donc, je prétends connaître le Seigneur, mais je vis en désordre. C'est pas ça. Un adorateur, hier, on a parlé avec des jeunes pendant notre retraite. Quand Paul dit à Timothée d'être un exemple, d'être un modèle en parole, en foi, en esprit, en conduite, c'est parce que l'apôtre Paul avait compris que si Timothée veut connaître Dieu à une nouvelle dimension, ces choses-là ne doivent pas manquer. Et en tant qu'église, remarquez que l'église a de moins en moins des adorateurs. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui se convisent mal, mais qui veulent adorer Dieu. Ça ne marche pas ensemble. Beaucoup de gens qui ont des pensées biaisées, ils sont prêts à pouvoir connaître toujours ce que l'autre veut faire, au lieu de passer sa vie d'abord à lui-même, s'approcher des cieux. Il y a des gens qui... Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent et toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'adoration. L'adoration, c'est ça en fait. Quand tu vis... Quand tu fais quelque chose, tu te rends compte, tu te rassures que ce qu'ils sont en train de faire, même le Seigneur dans le ciel est content de ça. C'est ça la vraie adoration. Et c'est ce type de personne qui peut monter en fait vers Dieu. Quand il monte vers Dieu, il bénéficie de son nom. Il bénéficie du Christ parce que le Christ est élevé. Il faut que tu montes vers lui. Et la seconde, c'est pourquoi même Jean vous dira, disons, Jésus dira à cette femme, Samaritaine dans Jean 4, que le Seigneur recherche. Ils sont des gens particuliers en fait. C'est pas n'importe qui. Et la deuxième catégorie des personnes qu'on doit être, si nous voulons voir l'intimité de Dieu, c'est être des sacrificateurs. Alors, je vais expliquer. Un sacrificateur, selon la pensée biblique, c'est cette personne qui se tient dans la présence de Dieu en permanence. Vous marquez même dans l'Ancien Testament, quand on parlait des souverains sacrificateurs, c'était des personnes, lorsqu'ils entraient dans la présence de Dieu, ils devaient se sanctifier d'abord. Ils entrent dans la présence de Dieu pour offrir des offrandes au nom de toute une nation. Alors, un sacrificateur, selon Dieu, c'est cette personne qui est là, en permanence. Et ces choses se suivent, en fait. L'adorateur, c'est qui? C'est celui qui monte. Et dès qu'il monte, et dès qu'il commence à rester en permanence devant Dieu, il devient sacrificateur. Faire des choses spirituelles, c'est comme ça. On peut être plusieurs choses à la fois. Donc, je suis un adorateur, en même temps, je suis un sacrificateur. C'est pas vrai que le Christ est à la fois l'agneau immolé, il est à la fois le lion de la tribu de Juda, il est à la fois le roi. Il a à la fois le souverain sacrificateur. On se pose des questions, mais il dit oui, dans le spirituel, il n'y a rien d'impossible. En fait, dans le spirituel, les choses existent quand on les fait exister. C'est pourquoi on n'a rien d'impossible. Surtout que je parle, la chose existe. C'est pourquoi vous verrez qu'il n'y avait rien, et le Seigneur dit voilà, que la lumière soit. Voilà, la lumière existe comme ça.
Et c'est pourquoi c'est un danger de dire que il y a des choses impossibles dans les spirituels. Pourquoi? Parce que les spirituels dépendent de la parole. Les spirituels dépendent d'une parole libérée qui crée quelque chose. Alors je disais, un sacrificateur, cette personne qui demeure constamment dans la présence de Dieu. Et une telle personne, c'est dépouillé de sa propre volonté. Parce que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et tu veux exercer ta volonté à toi, mais tu es dans la présence de Dieu. Non, tu peux exercer ta volonté à toi si tu es dans ta propre présence. Mais dès l'instant où tu entres dans la présence de Dieu, tu es soumis à lui, tu es soumis à sa présence. Et vous savez, le lieu, moi je définis le lieu comme étant le temps en fait. Avec cet endroit ici, l'importance que cet endroit a, c'est à cause du temps que nous passons maintenant ici. Et à cause de ce que nous faisons dans cet endroit. Je donne un exemple. Si cet endroit était un bar, c'est la même salle. Mais cet endroit ne serait pas aussi important que ce qu'il est maintenant parce que c'est une église. Donc disons, l'importance d'un lieu est liée à, au temps que nous donnons, à ce que nous faisons dans ce lieu-là. C'est-à-dire le lieu en soi n'a pas trop d'importance. Si ce que nous faisons est moins important, le lieu se transforme en un lieu de moins important. Alors la présence de Dieu, c'est pareil. La présence de Dieu devient importante dans ta vie, ce lieu-là, par rapport au temps que tu passes là-dedans. Donc ça existe, ça peut exister. Elle est là, Dieu est là, il ne change pas. Mais le temps que toi tu passes dans sa présence, dans ce lieu-là, c'est ce qui détermine l'importance de ce lieu pour toi. Ça veut dire qu'on peut arriver à l'église, il y a quelqu'un qui rencontre le Seigneur, quelqu'un qui ne le rencontre pas. Ce n'est pas que Dieu n'était pas là, mais c'est le temps que toi tu as passé dans ce lieu-là. Ou l'importance que toi tu as donnée à ce lieu-là. Et c'est ce qui détermine l'importance de la présence de Dieu. Excusez-moi, il me reste 7 minutes. Je vais essayer de paraphraser beaucoup de choses. Alors, vous savez, quand on entre dans la présence de Dieu, je l'ai dit, un sacrificateur, d'office, on quitte de ce stade de sacrificateur en ce stade de prophète. En fait, le prophète, selon Dieu, ce n'est pas selon cette personne qui a le ministère prophétique. Le prophète, pour Dieu, c'est cette personne qui dit ce qu'il voit des yeux. C'est-à-dire, si je suis dans la présence des yeux, ce que je vois dans la présence des yeux, une fois que je dis ça, je suis un prophète de Dieu. Parce que je dis ce que je suis en train de voir. Et le prophète, c'est ça, une personne qui n'invente pas, qui dit que ce qu'il voit, ce qu'il entend. C'est ça le prophète. Alors une personne qui demeure dans la présence des yeux, c'est une personne que moi j'appelle un sacrificateur dans la présence des dieux. Dès l'instant il se met à dire des choses qu'il voit dans la présence de Dieu, il devient un prophète. C'est pas vous verrez, Amos 3, le verset 7 le dit, n'est-ce pas? Le Seigneur ne fait rien sans cacher à ses serviteurs les prophètes. Il ne s'agit pas des prophètes comme des gens qui ont des ministères prophétiques, non. Il s'agit de ces personnes qui sont dans la présence des yeux. Ils voient des choses et ils sont dans l'intimité avec Dieu. Tellement ils sont déjà là, Dieu les a fait voir l'intimité. Dieu ne peut plus rien leur cacher. Amen, amen, amen. Dieu ne peut plus rien leur cacher. C'est comme disant, un homme et une femme. Quand deux personnes se marient, dès qu'ils se sont mariés, il n'y a plus rien de caché entre les deux. Leurs intimités sont partagées entre eux. C'est ça au fait. Une personne qui s'approche de Dieu, qui entre dans la présence du Seigneur, qui fait de cette présence sa permanence, il n'y a plus rien de caché de la part de Dieu pour cette personne. Cette personne, c'est ce que Dieu appelle le prophète. Dieu ne pourra jamais rien faire sans pour autant avertir. C'est pourquoi il est dit d'ailleurs que le meilleur prophète de sa vie, c'est qui? C'est soi-même. Pourquoi? Parce que si j'entre dans la présence de Dieu, si je demeure dans la présence de Dieu, si je deviens intime avec Dieu, Dieu ne pourra jamais rien faire et me le cacher. Surtout s'il s'agit de ma propre vie. Si je suis là, je partage l'intimité avec lui, Dieu ne va rien cacher. Dieu ne va rien me cacher, n'est-ce pas? Amen. Amen, on est là? Amen. Alors, je vais vous donner pour finir un dernier exemple. Prenez l'exemple de David, par exemple. Soit de David, on la connaît. La Bible dit qu'il était tout jeune. Donc, là, quand il gardait les troupeaux, la Bible dit que David grandissait en fait dans la présence des dieux. C'est pas même on appelle un prophète. Au fait, c'est pas parce qu'il avait reçu, on l'avait oint comme étant prophète. Non. David, moi, j'ai vu, on a oint David comme étant roi. Le Seigneur appelle David son prophète. Pourquoi? Parce que David, dès son jeune âge, tout le temps qu'il faisait, il passait ses temps dans la présence de Dieu. Et quand il pouvait débattre contre les ours, les lions, tout ça, vous pensez que la force là venait? La présence de Dieu.
Et la présence de Dieu vous donne des capacités que vous ne pouvez pas avoir dans l'état normal. Et c'est pourquoi c'est très important. Donc, c'est pourquoi j'appelle ça le secret de Dieu. En fait, ce lieu secret des yeux demande à ce que quelqu'un puisse monter. Alors, je voudrais vous dire la vérité ce matin, c'est que aussi longtemps que quelqu'un ne va pas changer son cœur, parce que l'apôtre Paul dit, Colossiens 2, chapitre 10, je pense, il dit, la circoncision dont il est question, il ne s'agit pas d'une circoncision de chair, mais une circoncision de cœur. C'est-à-dire, le cœur doit être changé. Le cœur doit abandonner l'ancien pour qu'il puisse monter vers Dieu. Et nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Nous pouvons justifier tout ce que nous voulons. Nous pouvons donner toute forme de raisons. Puisqu'il y a des personnes qui se plaisent dans ça, dans les justifications, dans les raisons. Mais ça ne change pas la vérité de Dieu. Si ton cœur n'est pas changé, tu ne montes pas vers Dieu. Si ton cœur n'est pas changé, tu ne vas pas expérimenter Dieu comme une personne qui a un cœur changé. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne marche pas comme ça. Alors, mais tous, on a la capacité de changer. Donc, tous, on a la capacité de recevoir le Christ. Tous, on a la capacité de prendre des décisions, d'abandonner ce qu'on faisait avant pour une vraie chose. La seule chose qui manque, c'est quoi? Ta propre détermination. C'est pourquoi j'ai dit, dans la présence des yeux, on crucifie sa volonté personnelle. On crucifie sa volonté personnelle. On laisse la volonté du Seigneur. C'est pourquoi Paul vous dit en Galates 2, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça en fait. Alors si j'ai dit que Christ vit en moi, et que moi je fais des choses qui n'ont rien à voir avec Christ, alors on se pose des questions. Parce que quand on se dit qu'on est chrétien, on dit que voilà, c'est le Christ qui vit en moi, qui vit en nous. Mais quand je sors à l'extérieur, les gens même sont étonnés de savoir que moi je vais être appelé chrétien. Parce que ma conduite n'a rien à voir avec le Christ qui vit en moi. Les mots qui sortent de ma bouche, mes pensées qui me traversent à chaque fois. Et je dis souvent que la pensée, c'est comme de l'eau en fait. Ça n'a pas de forme. Ça prend la forme que tu lui donnes. Si tu laisses entrer la parole des yeux, la pensée prend la forme de la parole des yeux. Tu laisses entrer n'importe quoi, la pensée prend la forme de n'importe quoi. Bon, je n'ai pas allé plus loin, mon temps est arrivé à vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Et... que sa parole nous transforme, que sa parole nous fasse bien, que sa parole nous change et qu'elle nous aide à pouvoir connaître Dieu dans ses intimités. L'adorateur et le sacrificateur de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Le secret de Dieu. Dis à ton voisin le secret de Dieu. J'ai l'impression qu'il n'a pas bien entendu. Dis-lui encore le secret de Dieu. Je ne savais pas que l'implicité spirituelle existait. Je l'ai appris aujourd'hui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse mon frère Sylvain. Je sais que Dieu est en train de nous faire grâce. Plus ça va, plus il fera davantage grâce. Amen. Je peux voir déjà dans l'esprit beaucoup de jeunes, pas seulement des jeunes, mais aussi des personnes d'un certain âge qui sont en train de se lever pour proclamer l'évangile, pour détruire les œuvres du diable et pour susciter une armée d'adorateurs, une armée des hommes et des femmes passionnés de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est ce que je suis en train de voir dans l'esprit. En tout cas, préparez-vous. Dis à vos voisins, attache ta ceinture. Non, il n'a pas bien entendu. Dis-lui, attache bien ta ceinture. Alléluia. Amen. Je vais appeler les groupes de jeunes. Tu pouvais venir avec moi. Nous voulons faire un cantique à la gloire de notre Dieu. Dieu va accomplir tellement de choses. Je me prends en sol. Jésus, tu es couronné. Tu es proclamé. Présent, nous t'élevons.
Sur la
Samarie, et il assurait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart de fiente de pigeon 6 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, la femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Et il répondit: si l'Éternel te sauve, avec quoi te sauverais-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Et nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Et lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Et le roi dit: que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Et le roi envoya quelqu'un lui dire. Il envoya quelqu'un devant lui, pardon. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour monter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Et le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Et il leur parlait encore,
Et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Chapitre 7, verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Waouh, quelle incrédulité! Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Et si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons, si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, eh bien nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Éthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, et le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, ils pénétrèrent dans une tente, ils mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Prenons un autre texte dans le livre de Genèse au chapitre 50. Genèse au chapitre 50. Nous lisons le verset 24 au verset 25. Et Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter dans ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera monter, mais vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. J'aimerais que tu dises à ton voisin la visitation divine. Donc parle-lui avec beaucoup plus d'assurance. Dis-lui la visitation divine. Dis-lui encore en pouvoir la visitation divine. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ce message sur la visitation divine. Et je parlerai du temps de Dieu et les circonstances. La visitation divine, le temps de Dieu et les circonstances. Je vais dire déjà à une personne que Dieu est un Dieu de temps. Dieu ne fait jamais les choses en dehors du temps. Et par rapport au temps, il y a deux choses que vous devez noter. Il y a le temps des hommes, et le temps des hommes est caractérisé par la valeur que nous pouvons exprimer en secondes, en minutes, en heures, en journées, en semaines, en mois, ou encore en années, ou encore en siècles, ou encore en millénaires. Voilà comment l'homme a su segmenter le temps. Mais peu importe, la Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir.
Et chacun de nous a un temps que Dieu lui a donné. Si tu vis, c'est que tu vis dans le temps que Dieu t'a donné. Et après, quand tu mourras, tu ne seras plus dans le temps parce que tu rentres dans une autre dimension qui n'est plus dans la dimension du temps. Et le temps des hommes, c'est ce que la Bible appelle aussi, ce que dans le grec est exprimé en chronos. On voit le chronos, on voit le temps des hommes, on voit le temps dans lequel toi et moi nous sommes soumis. Personne n'a la maîtrise du temps si ce n'est Dieu. Le temps, nous sommes tous sujets au temps, nous sommes tous soumis au temps. C'est-à-dire que tu ne le fais ou pas le temps, puisque tu es né, le temps passe, et plus le temps passe, tu t'approches de ta mort. Même si tu refuses de mourir, tu mourras quand même. Pourquoi? Parce qu'un temps viendra où tu partiras. Chacun de nous a un temps. Amen. Il faut le savoir très bien, tu as un temps. Et Dieu nous donne à chacun de nous un temps précis. Un temps que nous pouvons vivre, un temps que nous pouvons nous réjouir. Mais de l'autre côté, vous avez aussi ce qu'on appelle le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est quoi? C'est le kairos. C'est le temps où Dieu entre en œuvre dans la vie d'une personne. C'est-à-dire le temps où Dieu va amener sa grâce et sa faveur. Le temps où peut-être que dans le chronos, tu souffrais, tu pleurais, tu gémissais, tu cherchais des voies et moyens, des issues de secours, tu cherchais des solutions à tes problèmes, tu voulais voir Dieu agir, mais Dieu semblait tarder. Et quand Dieu vient se manifester dans la vie d'une personne, c'est là maintenant qu'on appelle le temps de Dieu ou le temps kairos. Amen. Mais laissez-moi vous dire, chacun de nous ici, nous avons le temps chronos. Aujourd'hui, nous vivons le temps chronos. Le temps est en train de passer. Il est midi, il est chronos et il est midi. Nous sommes dans un temps précis, le temps chronos. Mais il y a aussi le temps kairos, c'est-à-dire le temps où Dieu, dans son calendrier parfait, dans sa propre autorité, avait déjà marqué pour que toi tu sois béni, pour que toi tu puisses connaître quelque chose de particulier que tout le monde ne pourra pas connaître. C'est-à-dire, le temps kairos ne dépend pas de toi, mais ta kairos dépend d'abord de Dieu. Et chacun de nous a un temps kairos. Chacun de nous a un temps où Dieu veut le visiter. Dieu ne te visitera pas le même jour que moi. S'il me visite aujourd'hui, peut-être toi ça sera demain. C'est pourquoi ne sois pas jaloux de la visitation de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Dis, je bénis Dieu parce que ton temps est venu. Mais mon temps aussi arrive. Non, quelqu'un ne m'a pas bien compris. J'ai dit, mon temps aussi arrive. Le temps de ma visitation arrive. Et ici, Joseph était en Égypte. Dieu l'a visité. Dieu a béni l'Égypte par le canal de Joseph. Joseph était une source de bénédiction. Mais avant sa mort, il va dire aux enfants d'Israël, selon la prophétie que Abraham avait libérée, en leur disant, Dieu vous visitera. Ça ne sera pas aujourd'hui dans le futur proche, mais la visitation va arriver. Dieu va vous visiter. Mais quand Dieu vous visitera, remontez mes eaux d'ici. Mais il y a un temps de visitation pour chacun de nous. Le problème, c'est que quand le temps de la visitation arrive, beaucoup passent à côté. Parce que le temps de la visitation est caractérisé par des faveurs, par des opportunités, par des circonstances. Dieu te met en face de quelqu'un qui pourra changer ta vie. Parce que, excusez-moi, Dieu ne te bénira pas en dehors de quelqu'un. Amen. Tu n'as pas bien compris. Tout à l'heure, tu vas bien me comprendre. Toi qui aimes minimiser les gens, toi qui aimes mépriser les gens, Dieu n'a pas d'autre canal, Dieu n'a pas d'autre canal que les hommes que tu minimises. Les enfants d'Israël sont passés à côté de la visitation parce qu'ils attendaient un Messie qui viendrait. Ou ils attendaient un Messie puissant qui allait les délivrer de la captivité romaine. Mais lorsque Jésus était venu, c'était lui le Messie. C'était lui le fruit de la visitation. Mais ils sont passés à côté. Bien-aimé, ne passe pas à côté de ta visitation. Est-ce que je peux parler à une personne ce matin? Ce matin, je suis venu te parler de la visitation. Viens te voir la visitation. Beaucoup passent à côté de la visitation, le temps de faveur, le temps de grâce, le temps favorable pour toi, le temps du salut, le temps où Dieu vient, où tout commence à aller
comme sur des roulettes. Le temps où les choses ne sont plus difficiles, les choses sont belles, les choses sont roulent. Les choses, en fait, tu es béni, quoi. Tu ne fournis pas l'effort, mais tu es béni. Donc Dieu travaille pour toi sans toi. Non, tu n'as pas bien compris. Il ne te demande pas d'aller travailler à ton salaire. Tu es assis, tu t'attends. Dieu travaille, mais pour toi. C'est ça la visitation. Tu rentres dans le temps de faveur. Oh, qu'est-ce que je veux encore la faveur. Seigneur, fais-moi rentrer dans mon kairos. Fais-moi rentrer dans mon temps de visitation. Mais beaucoup sont visités. Quand Dieu va te visiter, il va te donner quelqu'un à côté. Il va mettre une personne à côté qui sera la clé de ta vie. Mais tu passes à côté. Tu es quand même ivoirien. Tu vois, mais tu ne vois rien. Alors aujourd'hui, il faut que tes yeux s'ouvrent. Non, je ne parle pas de la nation ivoirienne. Je dis, mais tu es un ivoirien. Alléluia. Jésus était là. Les pharisiens demandent, mais quand est-ce que le royaume viendra? Jésus dit, mais le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Mais le royaume est au milieu de vous. Mais il était là, ils étaient des ivoires. Jean-Baptiste est venu comme Élie. Jésus dit quoi? Je vous enverrai Élie, comme Malachie l'a dit. Jésus dit, mais Élie est déjà venu. Mais ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Pourquoi? Ils ne savaient pas que c'était Jean-Baptiste qui était Élie. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, on serve bien. Si tu veux être dans le temps de la visitation, saisis bien ce qui est autour de toi. Saisis bien qui est à tes côtés. Peut-être que c'est moi qui suis le canal de ta visitation. Mais si tu me minimises, c'est ton problème. Ah, parce que je ne comprends pas. Dieu bénit les autres, il ne me bénit pas moi. C'est faux. Chacun de nous a un temps de visitation. Répète à ton voisin, tu as un temps où Dieu a décidé de te visiter. Chacun de nous, dès que nous sommes, il a un temps. Mais regardez en parlant d'Israël. Si vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 19, à partir du verset 44, Jésus arrive vers Jérusalem, il regarde Jérusalem et il commence à pleurer. Et il dit, mais si toi aussi, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, ces choses sont cachées à tes yeux. Les choses de ta bénédiction étaient là, mais tu es passé à côté. Les opportunités sont là. Au lieu de les saisir, tu es tellement orgueilleuse que tu passes à côté. Tu es tellement fier de toi que tu demandes jamais l'aide des personnes avant. Personne n'est réussi seul. Pour réussir, tu as besoin de l'autre. Amen. Je n'ai pas dit amen. Amen. Moi, je me suffis à moi-même. Personne ne se suffit à moi-même. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Attends, ton voisin, dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis, j'ai besoin de toi. Dis-lui, dis-lui encore, j'ai besoin de toi. Tu es là, tu es en train de prier pour le Seigneur, le mariage. Mais non, le frère est ici, mais toi, tu es un ivoirien. Tu vois, mais tu ne vois rien. Seigneur, je veux me marier, je veux une soeur. Tu es là, en train de jeûner, tu as une vision. Mais la soeur est là, collègue. Une soeur spirituelle. Tu es là, que tu es un ivoire. Et puis tu es là, ça tarde, ma soeur. J'ai dit à un frère qui est venu me voir à la maison. Ma soeur, je n'en peux plus. Mais frère, tu n'en peux plus, c'est ta faute. Il y en a ici, tu ne vois pas. Tu es là, mais tu ne vois pas. Alors aujourd'hui, ouvre tes yeux, regarde autour de toi. Alléluia. Alléluia. Jésus est au milieu d'Israël, mais Israël n'a pas vu. Israël est passé à côté. Et Jésus a pleuré. Bien aimé, quand tu rates le temps de la visitation, tu vas pleurer. Amen. Tu vas pleurer. Parce que les opportunités ne reviennent pas toujours deux fois dans la vie. Il y a des choses, quand tu les rates, c'est fini. Amen. Mais je veux dire, même quand c'est fini, il y a quand même la puissance de la résurrection. Même si hier tu as raté, aujourd'hui je suis venu te dire, tu vas rattraper les temps perdus. Parce que Dieu ne te laissera pas comme ça. Amen. Et il dit, parce que tu es raté, tu passes à côté de la visitation. Il n'arrive pas maintenant que tes ennemis viendront. Un, ils t'environneront. Deux, ils te serreront. Trois, ils feront quoi? Luc, sont dans Luc, prenez avec moi. Lorsqu'on passe à côté de la visitation, regardez ce qui se passe. Je suis en train d'introduire en fait le message. Hein, regardez. Alors, dans Luc chapitre 19, regardez le verset. Il y a quatre choses qui se passent lorsqu'on manque la visitation. Quatre choses. Le verset 43, verset 44. Il dit, il viendra sur toi le jour où tes ennemis t'environneront de toutes
tranchée, t'enfermeront, te serreront de toutes parts et te détourneront, toi et tes enfants. Donc, quatre choses qui se passent lorsque on passe à côté de sa visitation. Premièrement, il y a les ennemis qui viennent. Ça peut être la pauvreté, ça peut être le célibat, ça peut être peu importe, le chômage, ça peut être des situations difficiles qui t'arrivent, ça t'enveloppe, ça t'environne. Deuxièmement, ça t'enferme. Tu te retrouves comme dans une prison. Troisièmement, tu te sens serré. Les peaux se resserrent. Ça devient plus dur. Pourquoi? Parce que tu avais raté le temps de la visitation. Et troisièmement, ça te détruit. Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu sont détruits à l'intérieur? Ils sont rongés à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu quelque chose. Ils sont passés à côté de quelque chose. Je voudrais parler aux enfants de Dieu aujourd'hui. Fais tout ton possible pour ne pas passer à côté de la visitation divine. Amen. Bien-aimés, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Moi, je sais dans ma vie, dans mon ministère, il y a des opportunités que je ne peux pas avoir deux fois. Alors, quand ça se présente, je les saisis. Amen. Autrement, je resterai pour pleurer. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le texte que nous venons de lire? Dieu avait dit qu'il allait visiter. Dieu a vraiment visité son peuple. Le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte. Dieu leur a envoyé Moïse. Et Moïse a libéré le peuple de la captivité. Moïse a conduit Israël dans le désert. Et à sa mort, Josué a continué le travail. Il a fait rentrer le pays, le peuple, dans la terre promise. La prophétie s'est réalisée. Ils sont rentrés dans leur terre. Ils ont pris possession de ce que Dieu leur avait promis, de leur promesse. Il arrive le moment où il faut que la promesse devienne réalité. Il ne faut pas seulement attendre. Oui, moi j'ai des promesses, j'attends. Oui, on peut attendre, peu importe le temps que tu attends, mais il faut aussi que tu vois et que tu touches. La Bible dit de toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées, il n'y en a aucune qui est restée sans effet. Il y a des promesses de Dieu et Dieu est fidèle et il accomplit, il accomplira toujours ses promesses. Amen. Mais le problème c'est quoi? Pour maintenir la visitation, il faut rester dans le terme de Dieu. Quand je parle de terme de Dieu, je parle du fait de garder la parole de Dieu. Le fait de connaître son Dieu et garder sa parole. Beaucoup de gens perdent ou passent à côté parce que Dieu le visite, Dieu le bénit, Dieu fait des choses, mais la bénédiction devient un frein, devient une source de malédiction. On nous l'a prêché dimanche passé qu'il y a des personnes, Dieu ne les bénit pas parce qu'ils ne sont pas encore prêtes. Ces personnes ne sont pas encore prêtes. Parce que la bénédiction que Dieu peut te donner peut devenir une source de malédiction à cause du fait que Dieu n'a pas travaillé son caractère en toi. C'est la raison pour laquelle il faut se préparer à la visitation. Car la visitation n'est pas encore arrivée. Ce que Dieu veut que tu puisses te préparer. Regarde autour de toi, regarde ta vie. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas que tu dois commencer à faire? Est-ce qu'il y a une négligence quelque part que tu dois arranger? Est-ce qu'il y a un péché quelque part qui empêche Dieu d'agir dans ta vie qu'il faut enlever? Qu'est-ce qu'il y a en toi, dans ta vie, qui t'empêche? Est-ce que c'est le manque d'intimité, comme on nous a parlé tout à l'heure, du secret de Dieu? Est-ce que tu ne rentres pas suffisamment dans le secret de Dieu pour que Dieu puisse te faire jouir de toutes ses grâces? Il y a forcément une raison. Ça peut être le fait que tu n'es pas prêt. Dieu est prêt à nous donner tout ce que nous voulons, même maintenant. Il est prêt. Mais comment est-ce qu'il le fait? Est-ce que chacun de nous allons nous supporter? Tout le monde nous supporte. Amen. On ne peut pas donner le mariage pour mettre le mariage à un enfant de 5 ans. Même si demain il est appelé à se marier. Mais il faut que la personne grandisse. Donc des fois quand les choses tardent, Dieu veut simplement te solidifier. Dieu veut seulement t'éprouver. Au travers des épreuves, les épreuves sont considérées comparées au feu qui fait en sorte que l'or que tu es puisse devenir pur. Que le feu puisse enlever les scories, les saletés. La raison pour laquelle Dieu nous fait traverser les épreuves, tu as l'impression que les choses durent, les choses n'avancent pas, n'arrivent pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te les donner, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. Toi, tu penses être prêt, mais Dieu sait que tu n'es pas encore prêt ou prête. Voilà pourquoi il permet ces choses. Amen. Amen. Mais malheureusement, il y a des gens, lorsque Dieu les visite, ils abandonnent Dieu. Et c'était le cas ici. Retournons dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. On nous parle ici d'un roi qui régnait à Samarie.
Et vous pouvez noter que la Samarie, c'était une ville qui avait connu une vraie prospérité. C'était une ville où les gens étaient prospères, où le commerce se faisait. Les gens qui habitaient Samarie à l'époque, si vous lisez le contexte, la majorité d'entre eux, ils avaient de très belles maisons et des maisons luxueuses. Si dans une maison vous retrouvez de l'ivoire, c'est que la maison est vraiment luxueuse. Et c'était le cas. Ils vivaient, ils habitaient des maisons lambissantes. Ils vivaient tellement dans l'opulence. Ils vivaient tellement dans une telle prospérité. Et Samarie, en elle-même comme ville, était une ville stratégique parce qu'elle était à côté de la mer. Et à l'époque, vivre, avoir une ville à côté de la mer, ça favorisait les échanges de marchandises par la voie ferroviaire, par les bateaux. C'était une ville prospère, une ville où on trouvait la croix, une ville où il y avait le commerce, où les gens vivaient tellement bien. Mais malheureusement, dans même cette ville, le roi de cette époque, Joram, qui était un roi impie, va introduire un faux culte. Il va installer en Samarie les hôtels de Baal. Notez bien le mot hôtel de Baal. Baal était considéré, c'était un dieu des Phéniciens, qui était considéré comme le dieu de la pluie, ou encore le dieu de la prospérité. Donc en mettant en place l'autel de Baal, en réalité, ils étaient en train de repousser Dieu comme étant la source de leur prospérité. Et au lieu de lever un autel pour Dieu qui les avait fait arriver à ce niveau-là, ils ont commencé à élever un autel pour Baal. Notez ça bien. Bien aimé, aujourd'hui, il n'y a plus d'idoles comme ça, il y a très peu d'idoles même parmi les enfants de Dieu. Mais la plupart d'entre nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque Dieu nous bénit, nous élevons des hôtels de Baal. Comment savoir que tu as élevé un hôtel de Baal? Lorsque l'argent, lorsque le matériel prend la première place dans ta vie, sache que tu as élevé l'hôtel de Baal. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir, ce matin? Lorsque la bénédiction devient une source, un moyen pour refuser d'être un adorateur, un serviteur de Dieu, sache que tu as élevé un autel à Baal. L'autel, c'était le lieu de sacrifice, c'était le point de contact entre le ciel et la terre, c'était là où on sacrifiait pour adorer Dieu. Donc l'autel représente ce que nous apportons. Vous voyez, ce truc qu'on élevait en pierre et on devait y sacrifier. On devait offrir des parfums. Et pour nous, les enfants de Dieu, notre autel, c'est Christ. Notre autel, c'est la parole de Dieu. Notre autel, c'est la croix où nous devons nous donner à Dieu, nous offrir à Dieu. Mais ici, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élevé un autel à Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, je rencontre aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsqu'ils n'ont rien, ils sont zélés. Mais le jour où Dieu commence à les bénir, ils ont élèvent l'autel là-bas. Pose la question à ton voisin. Quel autel as-tu élevé? Quel autel as-tu élevé? Pose-lui encore la question. Quel autel as-tu élevé? Quand tu étais chômeur, tu étais zélé, fidèle. Maintenant, tu as un travail. Parce que je n'ai plus le temps. Amen. L'autel là. Amen. Quand tu étais célibataire, zélé pour les choses de Dieu. Maintenant que tu es marié, l'autel de Baal, tu es élevé. Amen. Quand tu n'avais pas d'enfant, tu aimais Dieu. Maintenant tu as des enfants. Ah, oh, parce que je ne peux pas venir, c'est les enfants. Mais à cause des enfants, je ne peux pas venir. Ah bon? Autel de Baal. Je vais vous parler. Est-ce qu'il y a l'autel de Baal? Regarde. Bien, je vous le dis parce que c'est très sérieux. Et vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne vous amène pas très loin. Parce que vous n'êtes pas fidèles. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est que la plupart d'entre nous, nous sommes infidèles à Dieu. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, rien ne m'empêchera d'élever mon autel dans le Seigneur. Je dis bien rien. Mais aujourd'hui, oh là là, il y a même dedans des raisons. Mais est-ce qu'on est obligé de venir à dimanche à l'église pour prier? D'accord? Est-ce que tu es obligé aussi de te marier? Pourquoi tu es marié? Pourquoi tu veux avoir un enfant? Pourquoi tu veux un travail? Est-ce que tu es obligé? Si nous existons, c'est pour Dieu. Amen. Il me dit, c'est de lui, par lui et pour lui que je fais les choses. Amen. Donc si tu te maries, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Amen. Si tu vas travailler, c'est pour Dieu. Si tu vas avoir de l'argent, c'est pour Dieu. Dieu. Parce que toi et ce que tu es appartient à Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Change de mentalité. Non, n'élève jamais un hôtel à Baal. Parce que le jour où tu vas élever l'hôtel à Baal, c'est le jour où tu vas te lâcher.
Tu peux sembler de réussir, mais Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est pas avec toi quand tout va bien. Il y en a qui pensent que quand tout va bien, c'est là que Dieu est là, c'est faux. Sinon, Dieu est avec les francs-maçons. Hein? Parce qu'ils ont bien, ils ont l'argent, ils ont plus. Ils n'ont pas de problème, ils ont une bonne santé, ils ont... Mais ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Dieu. Mais, c'est là notre problème. Et c'était ça le problème de la Samarie. Une ville qui a été faite prospère par Dieu. Dieu l'a fait prospérer. Une ville qui a connu la visitation divine. Mais cette ville a rétrogradé. Cette ville a commencé à élever des autels de Baal. Ma prière est que jamais que tu n'élèves des autels de Baal. Alléluia. Et la conséquence, c'est quoi, bien-aimé? La conséquence, c'est que il y a eu la famine. Dis à ton voisin la famine. Vous savez, lorsqu'on a, on est prospère, faites attention. Il y a un danger derrière la prospérité. Parce que derrière la prospérité, on a l'impression de tout contrôler. C'est pourquoi Jésus dit à l'église de Laodicée, ce que j'ai contre toi, c'est que cette église se disait riche. Il dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais Dieu lui dit, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle, le nu. Pourquoi? Parce qu'on a le moyen. On pense qu'on a tout. Bien aimé, c'est faux. Aime-moi dire à ton voisin, c'est faux. Dis-le lui encore, c'est faux. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Salomon est devenu riche. Salomon abandonne Dieu. Salomon a beaucoup de richesses. Il abandonne Dieu. C'est-à-dire que jamais je ne t'abandonne. Même si demain tu m'amènes au sommet, que jamais je ne t'abandonne. Et mais c'est de ça la réalité. Et Dieu va amener la famille. Vous savez, lorsqu'on abandonne Dieu, il y a la famille qui arrive. La famille représente quoi? La crise. La famille représente des moments d'épreuve, de souffrance, de dur labeur. La famille représente des moments où les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et si vous lisez dans Lévitique chapitre 26, versets 26 à 29, Lévitique 26, 26 à 29, Dieu dit, même si vous êtes prospère, parce que vous m'avez désobéi, vous allez manger, mais vous ne vous rassasierez pas. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Et vous mangerez la chair de vos enfants. La famine est la conséquence du jugement de Dieu. Samarie est rentrée dans le jugement de Dieu parce qu'elle passait à côté de la visitation divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crise économique. Pas de travail. Pas de ceci. Tout ça pourquoi? Parce que tu as abandonné Dieu. Moi je crois qu'un enfant de Dieu ne manque de rien. Tu n'as pas dit amen avec moi. Amen. Pourquoi? Parce que l'Éternel est son berger. Amen. La vie de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. On ne dit pas le travail est mon berger, l'Éternel est mon berger. Dis à ton ami, c'est l'Éternel qui est mon berger. Amen. Il y en a sans travail, ils se sont mariés, ils sont là. Amen. L'Éternel est leur berger. Il y en a qui travaillent. En Afrique, ils travaillent 45 ans, 50 ans, 60 ans, ils n'arrivent pas. Dieu veut me laisser, c'est Dieu. Et je veux aujourd'hui qu'on élève Dieu. Amen. Alléluia. Qu'on le mette à la première place. Amen. Que tu cherches d'abord ses intérêts. Sinon la famille va venir. Et quand la famille vient, c'est des pleurs. Regardez, la famille était telle que les gens commençaient à manger les excréments des pigeons. Vous imaginez, les excréments des pigeons est devenu la gastronomie de cette époque. Et les gens mangeaient ça. Tellement qu'il n'y avait rien. Et une femme va venir voir le roi et dit, roi, il voit le roi qui marchait, le roi lui-même était dépassé. Bien-aimé le Seigneur, lorsque la famille vient, il faut se poser la question, d'où est-ce que cette famille vient? Si ce sont les épreuves que Dieu permet pour te former, gloire à Dieu, attends le temps de Dieu. Si c'est ton désert, attends le temps de Dieu. Mais là, je ne parle pas du désert. Je parle du fait qu'on avait abandonné Dieu. Et lorsqu'on abandonne Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir et retourner à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir le discernement pour savoir qu'est-ce qui m'arrive, les choses que je vis, d'où est-ce que ça vient. Et le roi marchait. Et la femme, une femme vient lui dire, roi, sauve-moi. Et le roi lui-même, il a des problèmes. Si tu as des problèmes, comment tu peux aider quelqu'un qui a des problèmes? Or, la plupart d'entre nous avons des problèmes. Voilà pourquoi nous n'apportons pas de solution aux autres. Parce que quand tu viens me voir, parce que j'ai des problèmes. Parce que moi aussi j'ai des problèmes. Hein?
Alléluia. Amen. Mais moi, je ne suis pas le roi Joram. Je vais vous expliquer. Moi, je suis différent. Moi, je suis un Élisée. Amen. Tu n'as pas bien compris. Il dit, moi, je suis un Élisée. Le roi, ce sont les gens eux-mêmes, parce que la désobéissance a commencé par le roi. Lui-même, il ne comprend pas que sur la rue, il met le sac. Ce que Dieu veut, ce n'est pas une semblant de repentance. C'est une repentance sincère. Dieu dit, approchez-vous de moi avec vos jeunes, jeûnez, ne déchirez pas vos vêtements, mais vos cœurs. Mais ce roi était tellement impie que lorsque la femme lui pose la question, le roi saute, il dit, mais moi-même, je vais te sauver avec toi. Et la femme, elle explique, écoute-moi, hier, j'étais avec une femme, et on s'est entendu. On a dit, bon, comme il y a la famille, il n'y a rien à manger. Aujourd'hui, je tue mon enfant, on mange notre enfant, et demain on va manger mon enfant. D'accord, d'accord. Et il a pris son enfant, il a tué. Imaginez le degré de la famille, au point où les gens commencent à manger leur propre enfant. Et ce n'est même pas un homme qui fait ça, c'est une femme. Vous êtes des femmes ici, qui ont déjà porté les enfants. Est-ce qu'une femme peut accepter de voir son enfant égorgé, tué, et on, dans la marmite, tu es en train de faire la sauce là, avec, les ingrédients que tu mets là, mais tu sais que tu es en train de tuer, je ne sais pas, quel homme. C'est quel homme qui est là-bas dans la marmite. Qu'est-ce qu'on va aller manger ce soir? Nous mangeons quel homme. Et on va manger Claude, on va pas le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, le roi entend ça. Le roi, il dit, quoi? Vous en êtes arrivé à manger vos enfants? Il dit non, tout ça c'est la faute d'Élisée. Élisée n'avait pas de problème. Mais Élisée, comme il était prophète, il avait dit à ce peuple, parce que vous avez rejeté Dieu, Dieu vous amènera la famille. Bien aimé, Dieu emmène la famille lorsque le peuple le rejette. Parce que quelqu'un m'entend. Amen. Et maintenant, au lieu de revenir à Dieu, le roi dit non, je dois tuer Élisée. Le problème, ce n'est pas de tuer le messager. Le problème, c'est de revenir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, si vous désobéissez à Dieu, il y a une famille qui va vous frapper. Mais si vous revenez à Dieu, vous allez vivre un temps d'abondance comme vous avez au préalable. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il envoie quelqu'un dit, va chez Élisée, va me l'attraper, je dois régler son compte. Et voici que le gars va chez Élisée, dans la maison d'Élisée, Élisée était tranquille. C'est-à-dire, même dans un temps de famille, les vrais enfants de Dieu sont calmes. Yes. Amen. Ils sont tranquilles parce qu'ils savent que Dieu maîtrise la situation. Non, je suis venu dire à un homme, qui est l'enfant de Dieu ici? Amen. Si tu es l'enfant de Dieu, sois calme et sache que Dieu maîtrise la situation. N'aie pas un problème, ne sois pas inquiet. Oh non, problème de ceci en Europe, ça ne va pas, il y a le travail, c'est compliqué. Non, toi, sois calme parce que tu dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu et ton Père te prend en charge. Moi, je suis comme Élisée, je ne m'inquiète pas. Qu'on dise, oh, problème de ceci, c'est quoi la Mexique, si c'est quoi, problème de loi de travail, problème de ceci, je n'ai pas à m'inquiéter parce que je sais que mon Dieu est avec moi et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de la visitation. Il y a un temps et il y a des circonstances. Quand les circonstances deviennent négatives dans ta vie, examine-toi pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis dans un péché? Qu'est-ce que je fais qui ne pas donner gloire à Dieu? Mais le roi ne s'est pas remis en question. Et il vient voir Élisée. Il envoie son serviteur qui vient voir Élisée. Il arrive chez Élisée. Et il dit, tout ça c'est de ta faute. Il dit, non, c'est pas de ma faute. Et regardez, Élisée le regarde. Élisée était dans le programme de Dieu. Il savait que le temps de la famine avait pris fin, que Dieu voulait maintenant visiter son peuple à une autre dimension. Et Élisée va lui dire, regardez le chapitre 7, regardez avec moi le verset premier. Élisée lui dit, écoutez la parole de l'Éternel. Aide-moi à dire à ce voisin, écoute la parole de Dieu aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Dis-lui, demain à 7h. Demain à 7h. Alors, répète-lui, dis demain à 7h. Demain à 7h. Tu auras la nourriture en abondance. Tu auras la nourriture en abondance. Tu n'as pas bien compris. Dis-lui, demain à la même heure. Demain à la même heure. Tu auras la nourriture en abondance. Tu auras la nourriture en abondance.
Bien-aimé dans le Seigneur, voici la parole d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est dans, qui se tient dans le secret de Dieu. Un homme de Dieu qui connaît le programme de Dieu, le calendrier de Dieu. Il savait que le temps était arrivé pour changer la situation. Or, la Bible dit que Dieu est spécialiste en matière de changement. Mais... il change les temps et les circonstances. Non, tu n'as pas bien compris. Cela veut dire que Dieu ne regarde pas ta situation actuelle. Il suffit juste qu'il dise une parole. Il suffit juste qu'il dise un mot. La situation que tu trouves impossible peut se changer en une seconde. Alors, quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Je suis venu dire à une personne ce matin que Dieu dit demain. En fait, demain, ça a été lié, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire autre chose. Dieu dit, demain, vous aurez la nourriture en abondance. Et lui, il regarde la situation. Il regarde la famille. La pluie ne tombe pas. Les vaches sont maigres. Tu regardes autour de toi. Tu te dis, non, il n'y a plus de solution. Mais lorsque tu penses qu'il n'y a plus de solution, ça, c'est une solution qui s'appelle miracle. Tu n'as pas encore bien compris. Je dis, quand tu penses qu'il n'y a plus de solution, il y a une solution qui s'appelle... miracle. Et l'homme dit maintenant, il disait, tu es fou. Il disait, tu es malade. Il dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, regardez le degré de son incrédulité. Même s'il y avait le fenêtre au ciel qui s'ouvrait comme ça, c'est que Dieu vient de dire, pareille chose, il n'arrivera jamais. Aide-moi, tu l'as proposé, ne sois jamais incrédule. Dis-lui encore, ne sois jamais incrédule. Ne sois jamais incrédule. J'aime la chanson qui dit « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Le message que je suis en train de donner, c'est un message pour moi. Dieu est en train de dire à une personne, ne regarde pas les situations impossibles autour de toi. Ne regarde pas les difficultés autour de toi. Mais regarde à Dieu qui dit un mot. Tant qu'il n'a pas parlé, rien ne peut se passer. Mais dès que Dieu parle, lorsque la création obéit, car la vérité n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, sa main est puissante pour le réaliser. Il a dit demain. Il n'a pas dit dans 3 jours. Il a dit demain. Tu regardes toi-même le temps, tu dis non, le temps est trop court. Le problème, c'est ça avec nous. Nous pensons que pour que Dieu nous vienne en aide, il faut beaucoup de temps. Donc, comme j'ai trop prié, donc comme j'ai trop jeûné, tu peux jeûner, prier, il n'y a rien. Mais quand Dieu du ciel dit maintenant le temps est arrivé, bien-aimé, je dis bien maintenant le temps est arrivé. Je veux te faire rentrer dans l'abondance. Non, je ne parle pas de la misère. Je ne parle pas des miettes. Je parle de l'abondance. C'est-à-dire, tu manges jusqu'à fatiguer, ça reste, et tu donnes à d'autres. Bien-aimé, on est fatigué de ne pas arriver à joindre les deux bouts du mois. Oui ou non? Toi-même, tu sais qu'à partir de 20, il n'y a rien. D'ailleurs, tu as découvert. Oui ou non? Le 20 encore, c'est loin. Il y en a, c'est le 5. Le salaire est tombé le 2. Le 5 déjà rouge. Ah, dis à mon ami, aujourd'hui, ça va changer. Aujourd'hui, ça va changer. Non, 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 non. J'aimerais que tu le dises à la fois. Aujourd'hui, ça va changer. Non, dis encore, aujourd'hui, ça va changer. À la même heure, vous aurez la nourriture en abondance. Non. Élisée, même si Dieu ouvre les fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Mais ce qui ne sait pas, pendant que Dieu avait parlé dans la bouche d'Esaïe, d'Élisée, pardon, quelque chose se passait dans le camp des ennemis. En réalité, l'abondance que tu auras viendra de tes ennemis. Tu n'as pas bien compris. Je dis que tu n'as pas bien compris. L'abondance viendra de tes ennemis. Pourquoi? Les ennemis les avaient enfermés. Les Syriens, le pire ennemi des Juifs, ils les avaient encerclés. C'est-à-dire qu'ils avaient coupé la provision. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. Il y avait la famine. Mais les Samaritains ont dit,
Dieu est passé par qui? Dieu est passé par des lépreux. Oh, des lépreux, des gens qu'on minimise, des gens qu'on considère même pas, des gens qu'on dit maintenant, eux là, ils sont bons à rien. Et ne dis jamais quelqu'un, il est bon à rien. Parce que Dieu peut utiliser des lépreux. Alors, aujourd'hui, tu dois rencontrer un lépreux qui doit t'amener la nourriture en abondance. Et le Seigneur, écoutez ce qui va se passer. Il y avait les lépreux qui étaient à la porte de la Samarie. Les lépreux ont dit quoi? Ils disent, ça fait longtemps, mais ici, on n'a rien. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous entrons dans la ville de Samarie, nous mourrons. Alors, de l'autre côté de nos ennemis, au moins ils ont la nourriture. Même si nous tuent, c'est pas grave, mais allons quand même. Il y a quelqu'un qui doit prendre un risque. Il y a quelqu'un qui doit se dire, non, assez c'est assez. Non, ma situation ne peut plus continuer comme ça. Je suis trop dans la galère. Je dis toujours Jésus, matin, midi, soir, mais il n'y a rien. Mais aujourd'hui, les choses doivent changer. Je dois oser. Non, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est quoi? C'est de perdre tout le monde à perdre aussi. Tu dis, non, si je ose, ça ne va pas marcher. Mais non, même si ça ne marchera pas, mais au moins, prends la décision de oser. Tu n'as pas bien compris. Tu dis, non, 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 non. Si je reste dans ma situation, les choses ne vont pas bouger. Je dois oser. Dieu est en train de chercher des gens comme des lépreux, des gens qui sont insignifiants, des gens qui sont rejetés par la société. Mais Dieu choisit les choses viles du monde. Dieu choisit les choses faibles, les choses qui n'existent pas, pour confondre les choses qui sont. L'ennemi, ta bénédiction ne viendra pas seulement de la personne que tu t'attends là. Peut-être que tu es en train de les regarder. Moi, je veux un mec qui mesure 1m90, mais tu as quelqu'un qui a 1m50 à tes côtés. C'est un lépreux. C'est lui qui a la nourriture à l'abondance. Amen, amen. Tu n'as pas pris amen. Tu es là, tu attends les mariages. Ils ont les frères les manches. Qui t'a dit les manches? Toi, tu regardes le visage, mais regarde la beauté du cœur. La beauté du cœur, la beauté du cœur. Il y a des lépreux là qui ont l'abondance, mais tu es un ivoirien. Dis aujourd'hui, je dois voir. Non, dis-nous aujourd'hui, je dois voir. Aujourd'hui, je dois voir. Dis-nous aujourd'hui, je dois voir. Aujourd'hui, je dois voir. Jésus. Amen. Alléluia. Bon, c'est un lépreux. Mais un lépreux qui prend des risques. Je préfère un lépreux qui prend des risques et quelqu'un qui est en bonne santé qui est peureux. Amen. Je préfère quelqu'un qui, on peut dire, il est moche, mais qui est encourageux. Amen. Parce que la vie appartient aux courageux. Amen. Ou bien. Amen, amen. Les lépreux étaient courageux. Où étaient les hommes de guerre? Peureux. Ils avaient tous peur. Mais voilà des gens courageux. Les gens disent, bon, nous allons nous jeter dans les camps. Advienne de moi. Ah, il faut des gens comme ça. Je vais avancer. On va foncer. Hein? Ouais, on va foncer. On va construire. On va créer des entreprises. Si ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins on fonce. Alléluia. Alléluia. Ici quelques mois, on va commencer l'implantation ici à Paris. Que ça marche ou ça marche pas. On fonce quand même. Dieu a besoin de courageux. Dieu a besoin de fonceurs. Dieu a besoin de courageux. Et ça qui avance, et ça qui avance, tu dois avancer. Tu dois avancer. La majorité des frères et sœurs ici à l'église, avant là, on m'a souvent, ils viennent me voir parce que c'est compliqué. Il manque ça. Tu, quand tu regardes la somme d'argent qui m'a dit, ouais, même moi, tu regardes à côté, je n'ai rien. Je leur dis toujours, ça va. J'ai un langage de foi, la foi appelle à l'existence. J'ai un langage de foi, je dis, ça va aller. Ne compte pas sur la poche de Dieu, mais compte sur sa face. Parce que quand tu as la face, tu as la poche. Amen, amen. Quand tu as la face de la poche, quand tu es dans les secrets du bois, quand mon ami vient sous la robe de Jésus, viens sous la robe de Jésus, viens sous la robe de Jésus, viens là-bas. Puis, et là-bas, je fasse. Quand je m'arrive là, on peut repousser la garde, je dis, mais repoussez pas. C'est qui est signé, est signé. Moi, je vis le miracle dans mon mariage, une semaine avant mon mariage. C'est un moment comment ça allait se passer, je l'ai vu. Je suis calme, je dis à ce moment-là, sois calme. Un homme lui a dit, tu parles de quoi? De quoi as-tu? Pose la question, tu parles de quoi? Dieu lui encore, tu parles de quoi? De quoi as-tu? Je vais avoir peur. Avoir peur, quoi.
Bien-aimés, ces gens ont pris le risque. Ils ont fait la vérité. Ils ont dit, nous irons. Ils sont partis. Et ils arrivent. Ils ne savaient pas que Dieu avait fait la veille. Fait entendre dans le camp de l'ennemi le bruit des chars. Donc, pendant que Élisée était en train de parler, dans le spirituel, toute l'armée entendait des chars qui étaient en train de traverser. Non, ces voix-là sont dangereux. Ils nous ont envoyé des Éthiens et des Égyptiens pour nous chasser. Alors qu'il n'y avait rien. En fait, dans le physique, il n'y avait rien, mais dans le spirituel, il y avait quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu parle, il y a une activité spirituelle qui a autour de la parole. Or, je vais liser. Élisée avait vu Élie monter au ciel dans le char de feu. Et Élisée lui-même, lorsque l'armée syrienne était venue les attaquer, le serviteur avait peur. Il lui dit, serviteur, calme-toi. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit l'armée qui est avec nous. Car ceux qui sont avec nous sont à plus de nombre que ceux qui sont avec eux. Bien-aimé, lorsque tu es dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Même si à la parole tu penses que tu es seul, il y a l'armée des chars. Il y a l'armée des galères. L'homme, c'est l'éternel qui tombe autour de ceux qui le craignent. Tu n'es pas seul. Et le combat se joue dans la dimension spirituelle. Mais toute une armée, ils avaient tellement la trouille qu'ils ont tout laissé. Ils ont fui, ils ont laissé de l'or, ils ont laissé de l'argent, ils ont laissé des vêtements et ils ont laissé des maisons. Ils ont laissé même les animaux. Ils ont fui. Et voici que le lépreux arrive. Ils sortent dans une maison, ils pensent qu'on allait les attraper. Ils vont à manger. Vous savez, quand vous avez faim, vous ne réfléchissez même pas à vous attraper. La première chose, ils mangent d'abord. Parce que quand on a faim, le premier besoin fondamental de l'homme, c'est d'abord manger. C'est quoi d'ailleurs, on dit, un homme affamé n'a point oreille. Le gars a faim. Il faut qu'il mange. Il arrive, il commence à manger. Il mange. Et puis, regarde, ça c'est un homme d'homme. Il ouvre comme ça, de l'or. Là-bas, c'est quoi? De l'argent. Il ouvre comme ça, de l'argent. Là-bas, c'est quoi? Les vêtements. Il ouvre comme ça, les vêtements. Il prend, il ramasse, il garde. Ils étaient quatre. Ils sont remplis, gardés. Voilà le courageux. Le courageux, quand il est là, il s'arrête pas. Il dit, on va aller dans l'autre maison. On va aller voir là-bas encore. Il part dans l'autre maison. Ils ont personne. Oh, mangez. Mais les derniers seront les premiers. Non, je parle à quelqu'un ici. Les derniers, les points que vous minimisez, c'est les points qui seront les premiers. Alors moi, je vais être parmi les premiers. Je ne vais pas être les derniers. Mais les paysans, ils mangent, ils prennent tout. Et puis ils se disent, non, ce qu'on fait n'est pas bien. Voilà, ils avaient l'amour du prochain. Amen, amen. Ils disent, nous, nous mangeons, mais tout le peuple est là-bas affamé. Et on a l'impression que dans l'armée ici, dans le camp, il n'y a personne. Ils disent, non, aujourd'hui, c'est une journée de bonne nouvelle. Bien-aimés, les lépreux ont réalisé le temps de leur visitation. Dieu avait changé leur misère en abondance. Ils n'ont plus dit demain, mais ils ont dit aujourd'hui. Hier, Élisée avait dit demain. Mais moi, aujourd'hui, je dis, tu ne m'as pas compris. Je ne parle pas de demain, mais je parle de... Tu veux dire avec moi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est la journée de l'évangile. Aujourd'hui, c'est la journée de la faveur de Dieu. Ne sois pas ce soir. Parce que avant que Dieu ne te donne quelque chose, il te donne d'abord la bonne nouvelle. Bien-aimé, tout un peuple a mangé grâce à quatre hommes. Sois là, ces quatre hommes. Amen. Sois parmi ces quatre hommes. Amen. Derrière toi, tu veux nourrir tout un peuple. Amen. Tu es là, tu peux créer un orphelinat et nourrir même 100 enfants. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? N'attends pas que quelqu'un se lève. Tu peux être le premier à te lever et à le faire. Sois peut-être un peu, tu as peut-être un peu, mais Dieu peut exploiter le peu pour nourrir une multitude derrière. Non, mes bien-aimés, lorsqu'on rentre dans la visitation divine, c'est le temps de la faveur. C'est le temps où tu commences à te multiplier. Tu ne t'attendais pas. Tu peux dormir au pauvre, tu te réveilles riche. Je me suis déjà en train de me voir demain comment je vais être. Tu ne m'as pas bien compris. Le problème, c'est que toi, tu pleures toujours. Fais comme ça, je suis de là. Fais comme ça, je suis de là. Fais comme ça, je suis de là. Je suis de là. Je sais pourquoi j'en parle. C'est dans les temps, Dieu ne me demande pas d'enseigner, mais
parce que notre foi est ébranlée. Nous rencontrons des situations difficiles. Nous venons des situations où on a l'impression que rien de bon n'arrive. Bien aimé, si tu regardes l'atmosphère, tu diras rien de bon n'arrive. Mais regarde la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Et je déclare dans vos vies aujourd'hui que vous allez rentrer dans votre saison. Je déclare un temps de visitation divine dans ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare que ce qui était impossible devienne possible pour toi. Au nom de Jésus. Si tu as la foi, dis oui, je reçois. Je ne laisse pas faire sa place. Je déclare aujourd'hui, tu vas réussir. Même si tu as échoué, Dieu va changer ton échec en réussite. Je le déclare pour toi. Je déclare que tu sors du statut de célibat, tu deviens marié au nom de Jésus. Je déclare que tu ne seras plus locataire, tu deviens propriétaire au nom de Jésus. Je le déclare le temps de visitation. Je dis le temps de visitation. Je l'appelle pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde acclame le nom du Seigneur. Gloire à ton nom, on veut encore la planète de force.